Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de Marvel Midnight Sun. On va reprendre notre aventure. Alors, je viens de relancer le jeu et du coup j'ai regardé dans capacité, elles sont bien chargées là. Donc on va en profiter pour voir un peu ce qu'on peut améliorer sur les cartes. Vous voyez, on en a pas beaucoup. Vu qu'on a bien épuré à chaque fois qu'on a joué, vu qu'on connaît un peu mieux le jeu, on voit tout de suite les cartes qu'on a en rab. Donc on a un faucheur en rab et un Daywalker. On sait qu'on va pas utiliser les deux. Et je pense que c'est le faucheur qui va pas faire le cut. Pourquoi? Parce qu'avoir deux Daywalker, ça serait vraiment fort dans le deck. Alors qu'avoir deux faucheurs, bon, finalement, c'est pas une carte. C'est une carte que tu gardes pour le moment idéal. Donc en gros, il y a de fortes chances qu'on la pioche durant le combat, qu'on la mette de côté et qu'on l'utilise au moment où il y a un gros saignement sur une cible. Vous voyez, donc je pense que le faucheur, on peut le détruire. À moins qu'on veuille juste tester des trucs, mais en même temps, nous donner de la ressource, c'est pas mal. Parce qu'avec le faucheur détruit, ça veut dire que, vous voyez, les cartes là, coup de poing rapide. On pourrait l'améliorer, vu que si on a ça, c'est que probablement on veut l'améliorer, et il nous manque de l'attaque. Pareil, on pourrait détruire Climax et Sans Pitié pour récupérer les points, et on pourrait toujours les recréer si vraiment on a envie de les caler dans le deck. Faudra qu'on réfléchisse à un deck idéal. La Fureur de l'Enfer, on l'a pas installé. Voilà, donc tout plein de petits détails qu'on va essayer de régler tout de suite. Avant de partir sur une mission principale, je pense que c'était celle de... Celle des DLC? Ah, on va voir, on va regarder ça. On va dire Blade. Faucheur, on le dégage. Ouais, on n'en gardera qu'un. En gros, on gardera Faucheur. La carte de régénération sur saignement, on virera le pieu, puisqu'on aura un autre soin du coup. Et on espère que la carte de saignement, ça soit une guérison sur pioche, comme ça on aura aussi une guérison en plus. Voilà, un truc dans le genre. Ou alors de l'armure sur pioche, ou un truc comme ça. Faut vraiment avoir les trucs bien spécifiques quand même. Hein. Du coup, l'attaque, on peut améliorer la carte de Captain. Oui, on a le point rapide. Il a un point rapide là. Et on peut même les EP, hein, vu qu'on a les... On a un peu d'attaque là. Et que ça coûte pas cher les cartes blanches. Et on peut toujours améliorer, hein, si on veut. Finalement. Alors, on améliore Capitaine. Parce que piocher une carte en plus, c'est vraiment pas du tout anecdotique, hein. C'est vraiment important. Et puis l'améliorer, je sais même pas si on a les sous. Un petit entraînement. Peut-être. Bien, on a 16 crédits, on peut en améliorer une. Eh ben pourquoi pas. Dégâts augmentés de 50% de l'attaque, dégâts augmentés sur les cibles étourdies de 200% de l'attaque. Non, le but c'est pas d'exploser des trucs étourdis, c'est d'avoir plus de chances de tuer pour avoir le rapide. 114, c'est ok. Normalement, on tape les sbires. Sur un sbire, bah, on sera toujours rapide, on piochera toujours une carte, c'est pas grave. Mais si c'est pas un sbire, c'est très difficile d'atteindre le rapide. Mais là, avec le x2, ça sera parfait. Hydra ne viendra plus me chercher des noises. Bon, après, est-ce que j'aurais pas préféré une capacité genre piocher une carte en jouant la carte? Là, ça veut dire que si on élimine, on piochait une carte, et si on la joue, on piochait une carte, on piochait deux cartes avec une carte. Et en plus, elle était remboursée, la carte, vu qu'elle est rapide. Vous voyez, il y a certaines capacités, elles paraissent basiques, mais dans certains cas, ça serait incroyable. C'est comme une carte rapide qui te donne plus 1 de héroïsme. Bah, si ça t'en donne 2 ou 3 points d'héroïsme sur un jouet, une carte gratuite, c'est quand même vachement fort. Hein. Parce que tu cycles et tu remplis ta jauge. D'ailleurs, on fait moins attention qu'avant sur la jauge d'héroïsme, parce qu'on a tendance à croire que ben ça monte plus vite. En fait, je fais juste attention aux proportions de mes cartes héroïques. Vous voyez, je mets 2-3 cartes héroïques, pas plus. Et puis j'évite de mettre 3 cartes à 4 de coup. Mais dans l'ensemble, par défaut, ça réduit les chances qu'on se foire sur les points d'héroïsme. Mais en vrai, je devrais aussi rajouter des cartes qui, par exemple, en repioche, donnent de l'héroïsme. Ça permet de cycler le deck, récupérer de l'héroïsme et pouvoir faire une grosse attaque au lieu de plein de petites. Voilà, je crois qu'on est prêt, on va faire la mission. J'aurais peut-être dû modifier les cartes des personnes que j'emmène dans la mission, non? Au lieu de faire le kéké là avec Captain. Ouais, peut-être qu'on aurait dû améliorer. Alors, on a un plan, on a une cache. Bon. Détruire en difficile. Contre-attaquer les forces d'Hydra en normal. Waouh, mais c'est fort ça! Peut réduire la difficulté, pousser deux ennemis pour les éliminer, bof. Mission principale, New York, Morbius, noyau légendaire, crédit légendaire. Ouais, bon, bah c'est ça. Hein. Dès que le soleil... Un soleil rouge se lève. Oh. Ok, bon, bah ça va être ça. Crédit épique. Ah, on avait à vaincre les vampires. Non, on va prendre le... On va faire ça. Donc Blade et
Morbius, j'espère qu'on va pas se foirer là-dessus. De toute façon, si on rate, on aura l'occasion de recommencer. Hein. Et si on voit que c'est pas faisable, bah, à ce moment-là, on fera autre chose. On nous a signalé une autre attaque de vampires à Central Park. Juste avant l'aube. Ça vous rendez compte? Avant l'aube? Je savais que ça allait arriver. Mais pas si tôt. La situation en ville est déjà assez chaotique. On s'en occupe. Vous inquiétez pas. Ah, Blade. Toujours aussi optimiste. Ok. Allez, ils vont devoir coopérer, les deux vampires. Et on prend forcément Hunter. Ah, on n'est même pas obligé de prendre Hunter, dis donc. Non, mission principale, tu rigoles. Je prends Hunter. Hunter, elle a un des meilleurs pouvoirs qu'on peut avoir et c'est une mission principale, donc c'est le moment de l'utiliser. Hein. 4 de résiste. 4 de résiste en début de combat. Donc ça va aider. Flamme de phénix pour réveiller les copains, ça peut être bien. La nanolame pour le saignement, c'est incroyable pour la combo. La rune de fortif, il y a peut-être pas besoin. Je me demande si on a besoin de la lame de phénix. Au pire, on termine le combat avec Hunter. Sérum de surtension, ça peut vraiment, vraiment aider. Mais j'ai peur de l'utiliser vu que c'est le dernier. C'est des vampires, donc pas besoin d'autre chose. Tonic revigorant, de base. Oui, on le prend, on le vide. Et puis si on veut sauver un de nos gars, on peut prendre une fiole des ombres. Ça peut être l'équivalent d'une flamme de phénix. Au lieu de le réveiller, on l'empêche de tomber. Par exemple, voilà. Et la fiole des ombres, c'est vachement meilleur marché. Ça utilise des plantes en plus qui sont pas atroces à faire. Comme ça, carte combo, ouais, 4 résists sur Hunter. Alors évidemment, les résists ça marche pas sur les boss s'il y a boss, mais bon. Si on peut ignorer les attaques des sbires, c'est quand même vachement cool. Hein. Oh, l'équipe Dark Emo Gothique là. Ok. Ouais, j'ai un peu mélangé tout, mais. Ah, le gars il est en pleine mission et il va chercher les champignons quoi. Pardon, c'était glauque. Il fait un peu peur, Morbius, quand même. Hein. Je veux dire, le jour où il a vraiment faim et que t'es bloqué avec lui dans une pièce, tu vas quand même faire attention, je pense. Quelle idée d'aller dans une pièce avec un vampire le jour où il a faim aussi, hein. Faut pas faire des trucs idiots. Morbius, il est plutôt équilibré comme perso quand même, quand on y pense. Il met un peu de saignement, mais pas trop. Mais il peut faire mal, très mal avec quand il est lancé. Il a un peu de défense, il a un peu de résist. Il peut se cacher. Enfin, il a vraiment à boire et à manger. Il peut contrôler les dégâts. Mais il peut voler apparemment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de Marvel, c'est très commun tout ce qui se passe là, même dans les villes à New York, tout ça. En fait, on imagine que c'est notre monde à nous, mais non, c'est un monde un peu plus gothique. Hein. Le soleil va bientôt se lever et il s'en moque complètement. Par exemple, tu peux voir des camions de soldats d'Hydra parcourir les rues de New York. Je veux dire, bon, tu verras pas les soldats, mais par exemple, les portes s'ouvrent, les soldats d'Hydra sortent. C'est une chose qui peut arriver. Et tu verras des super-héros arriver pour leur casser la gueule, mais voilà. Sous contrôle. Il peut y avoir un tremblement de terre et des créatures souterraines qui surgissent. C'est arrivé à New York. Il y a plein de trucs qui est arrivé. Donc c'est ça qu'on voudrait voir dans les films. Je suis certaine que leur survie leur importe plus. Ok, alors là on parle de vampires de merde. Ok, on n'a pas des gros vampires, on a lui en gros. C'est lesquels qu'il faut tuer en prom? C'est ceux-là, c'est lui. Ok, on peut le pousser là-bas, on peut lui mettre un truc sur la tête, on peut lui balancer un truc sur la tête. On a combien? On a un. On a quoi? On a le tonique, mais non, on va le garder pour la deuxième partie du combat, ça, hein. Saignement, tonique, fiole. La fiole peut-être, ça dépend de si on a quelqu'un qui meurt. On a l'enchaînement x4 pour piocher 4 cartes. On a déjà un double faites les saigner. Alors soit on veut du blocage, soit on prend du résist. Au début, je pense que le résist sera plus intéressant que le bloc. Parce que ça absorbe carrément un coup, quoi. On peut en virer une.
Ok, la soif frénétique pour achever. Est-ce que j'y vais pour mettre du saignement partout? Si je fais ça, ça nous bouffe une attaque en gros. Mais la griffe rapide est gratuite. En fait, elle est pas gratuite contre eux. Elle bouffe un timer. Mais elle est quand même relativement gratuite. On pourrait tuer un gars. Ouais, ou alors on pourrait le pousser sous le truc là-bas. Je pousse lui, ça fait des dégâts à lui. Frappe éclair. Ah, mais on est bien là, hein. On est bien, il y a pas mal de trucs, hein. On a aussi le push-push là. Ça demande quoi? Ça demande... Pourquoi il me décale comme ça? Blade. Et on l'enverrait dans le truc électrique. Ouais... Alors c'est bizarre parce que si jamais je provoque l'action du 6 et qu'il est stun, je pense que ça lui coupe l'action. Mais par contre, il va utiliser son action pour attaquer Blade dans tous les cas. Donc en gros, si jamais on time mal, ça pourrait mal finir. Donc lui, il faut le tuer, il faut pas le stun. Hein. Enfin, faudrait mieux le tuer. Mais en quelques coups, on fera pas 6 cartes. Mais avec 2 cartes gratuites, vous voyez, on est à 2 doigts de faire 1-2 plus les 3 points d'action, ça fait 5. Hein. Et on a déjà une éclosion à 5. Vous voyez, c'est pas forcément génial, mais il y a un bel explosif juste à côté du truc qui fait pondre des ennemis. Donc, je pense qu'on pourrait les faire exploser après coup. La frappe des ombres est vachement cool. On pourrait se débarrasser de 4 sbires et piocher 4 cartes, et puis après on avise. On pourrait entamer lui aussi, mais bon, je crois que... Enfin, on pourrait entamer lui quand même. Parce que lui, je peux le pousser sur le truc là-bas. Je sens. Triple kill. On aimerait bien en avoir un peu, nous aussi. Ok. Bon, ça c'était pas mal, mais ça a bouffé notre rage. Et une carte. Donc là, maintenant, on peut plus faire le fait de les saigner. Hein. Ça vaut pas le coup. De toute façon, on a qu'une carte avec Blade, donc autant l'utiliser à vide. Là-bas, on peut tout faire exploser. Là-bas, il est pas dans l'explosion. Approchez un peu pour voir. Le fait que ça donne un point d'héroïsme de plus, c'est quand même sacrément pété. On peut utiliser ça et tuer les deux. C'est... J'ai failli faire exploser le truc que je veux pas faire exploser. Hein. On a la griffe rapide qu'on va utiliser sur... Non, attendez. Hunter. Morbius. Hunter, Hunter. On va pousser d'abord. Ok, alors la griffe rapide, on achève lui. Et là, on a un souci. Ok, ça c'est cool. Je me sens revigoré. Si j'ai la soif de sang. C'est trop tard. Ah merde, fallait pas la jouer. Stupido, stupido. Du coup, on est à combien? Non, 2, 2, 5. Ok, on a 1. En gros, faut qu'on arrive à faire s'entretuer ces gens-là. Donc, c'est lui qu'il faut hypnotiser pour qu'il attaque là, genre. Ou alors. Résistance après repioche, ou alors on le bourre et à la prochaine carte on le tue. Ou alors on se déplace et on le bourre avec ça aussi. Ouais, mais on a qu'un. Dans tous les cas, on va faire une attaque. Si je fais l'attaque, ça va faire popper des monstres. Mais si je fais sur lui, il va taper aussi les malices, que vous croyez? C'est dommage qu'on ait pas le contrôle de Hunter parce qu'il est bien mieux que celui-là. Hein. Sinon on peut faire repiocher ça et puis jouer ça. Et on serait en défense, il y aurait les trucs, mais on s'en fout. Ils tueront pas Blade, hein. Les petits sbires on fera exploser juste derrière. Ouais, donc on vire ça. Pour un peu d'armure. Ok, au cas où il nous donnait un truc. On a 2 déplacements. La forme de brume, sinon. Comme ça, on se cache complètement, il prend rien. Blade va prendre un coup. Il
Il est bien où il est là, en forme de brume. Ouais, on va dire que c'est ok. En fait, on pouvait pas jouer la forme de brume après le truc, hein, sinon on l'aurait fait. Comme ça, ça aurait fait que ceux qui sortent seraient focus peut-être sur Morbius, mais dans tous les cas, on va faire exploser tout ça. Ah, on en touche qu'un. Oh, c'est Tristoun. Les deux vont attaquer Blade, hein. Et le seul qu'on peut tuer, c'est celui qui attaque Hunter. Je dirais que faut garder l'explosif, juste utiliser ça du coup. Ouais, y a pas de raison d'utiliser l'explosif, hein, pour une seule cible. Par contre, là, la prochaine éclosion, on l'utilisera. Ok, et il nous reste quoi? Ah, on peut quand même en tuer un. Mais lui, il va attaquer un civil. En fait, on peut rien jouer, là. À moins que on fasse ce qu'on avait dit qu'on ferait. Ouais, il va falloir défausser, donc on va défausser la soif frénétique. On va le pousser dans l'électrique et on va espérer que l'électrique va être bouffé après quand je vais jouer la carte. Et non pas le reste. Alors si je fais ça, ça sert un peu à rien. Autant faire l'ultime vision sur un des deux qui attaque Blade. Ça, on rend invisible Hunter au passage. Et on va voir si on se fait avoir ou pas. J'espère que le stun va agir. Mes forces d'antan me reviennent. Comme un blocage sur son sa frénésie. Il a pas joué. Donc en fait j'aurais dû le stun au tout début, comme ça il aurait pas. Son compteur n'aurait pas évolué. En fait ça a pas provoqué la frénésie parce qu'il est stun. Ok ok, ça fait l'inverse. Mais c'est. Ouais, du coup on peut pas l'enlever, si vous voyez ce que je veux dire. Deux déplacements. On peut pas soigner les copains non plus, c'est utiliser un push, hein, donc on peut mettre ça sur sa tête. Ou alors j'utilise Morbius pour taper le stun, bah non. Mettre ça sur sa tête. C'est parti. J'aurais pu le tuer avec ça là. Et pas prendre l'attaque. On le mettrait à un pixel. Moi, je vais tuer celui qui attaque, en fait. Pourquoi je m'embête? Allez. C'est l'heure du balsa. Ok, on est pas mal, hein, avec cette équipe. Pour le moment, en tout cas, il y a de quoi faire. Je me demande si on peut tuer lui sur un push. Ou alors... Ah bah non, on a plus de... Oui, ok. Trois renforts. Il se réveille. Mais il va agir tout de suite. Lui, il va être chiant parce que je peux rien jouer. J'ai conscience que ça doit être douloureux de voir ton territoire envahi, Blade. Tout ce travail... Torbe Esprit. Aïe, aïe, aïe. Si je joue Torbe Esprit, faudrait qu'il se fasse tuer. Ça me poussait à bout. En fait, faut qu'on fasse un combo. Si transparent. Mais vu que je peux pas jouer de carte pour faire le combo, vous avez compris. Une de mes tactiques préférées, docteur. Mais comme vous le constatez, il n'est pas si facile à berner. Ou peut-être que j'accepte de jouer le jeu quand ça me convient. Ah, c'est très énervant. C'est très énervant parce que j'ai pas de moyen de jouer de carte. Simplement parce qu'il me manque un d'héroïsme, quatre d'héroïsme en gros. Si j'avais ça, oui, on pourrait le massacrer en un coup, vous voyez, 351. En fait, on a trop tardé. Et il faut que je joue ça, mais ça en espérant que lui tape lui deux fois et que ça suffise pour le tuer. Donc on n'a rien d'autre qu'on puisse tenter, hein, on va faire ça. En espérant qu'il attaque le plus proche. Ouais. On a du bol, on a du bol. Parce qu'il allait jouer, hein, il allait faire le truc. Ou alors c'est parce que c'est le plus proche et à ce moment-là c'est pas du bol, c'est juste parfaitement exécuté, bien évidemment. Admirable.
Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. La fortif. On repioche. Ils vont attaquer Morbus, il a un résist, 5-1-1. Si je repioche, j'ai de fortes chances d'avoir le bon truc. Sinon, on pousse un sur l'autre, sinon on fait exploser tout ça. Mais le mieux serait de faire fortif et faire exploser ensuite. Parce que si je fais fortif, il y aura une apparition de mob et on pourrait faire exploser encore plus de gens. Ouais, on va faire ça. Une aide fortuite. En espérant qu'il reste bien proche de ça. Ok, on tuera 3 au lieu de 2, mais on a 2 mobs de plus. Ok, Hunter. Oh si, ça touche celui du fond aussi. Ok, les deux autres, on peut peut-être les push-push. Ouais, on a 2 déplacements. L'ennemi n'a aucune chance. Pires sont un peu faiblards quand même, hein. Y a pas à dire, mais c'est pas désagréable comme mécanique pour un joueur. Alors c'est con parce que si j'avais poussé un vampire dessus, on aurait peut-être utilisé un objet contre l'autre. Ouais, c'est pas grave. Il nous reste un déplacement, personne n'a pris d'effet négatif. On garde nos potions pour le prochain combat. Ok, on est bon. Les renforts. On a juste à nettoyer et se mettre quelques buffs et c'est bon. Un petit résistance de plus, j'espère qu'on les gardera. Si je ne peux plus compter sur le soleil, mon boulot va devenir franchement compliqué. Ça ne pas manquer de casse pourtant, ni de beaux jouets. Rien n'effraie davantage un vampire que le soleil. Tu m'étonnes. Ça avait le don de te motiver. C'est vrai. Ça, ça donne la résistance à Blade. Un level, ce qui cache rien. On peut faire le Daywalker. Oh, si on garde les ressources, peut-être qu'on devrait pas. On vire. Je garde les combos héroïques du coup. La petite griffe, hop, dans sa gueule. Faudra m'apprendre comment faire. On va repiocher ça. Et on va faire un petit faucheur. Et voilà, on sera bon pour le prochain combat. J'ai déjà vu ce genre de technique il y a des siècles. Ah, renforcement. Oui, c'est vrai que l'achèvement donne 50% de dégâts en plus. C'est bizarre. C'est bien si tu veux enchaîner sur d'autres gars. Oh oh. Ok, donc le sérum. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça va les muter en truc dégueu? Ah, ça a l'air de fonctionner. Ah, c'est pas bon signe. Parce qu'avec cette histoire des malisques, la nouvelle race se reproduit super vite, hein. Elle est fragile, mais si tu lâches ça à New York, des centaines de trucs comme ça qui courent partout et qui tuent tout le monde, et qui se reproduisent de tout le monde. Par contre, ça va lui faire plaisir de sortir au soleil, lui. Ça doit faire un moment. Il ne craignait pas le soleil. C'est moi qu'ils vont craindre. Non. Je m'en charge. Alors. Dracul. L'attente est enfin terminée. Quand avez-vous senti le soleil sur votre visage pour la dernière fois, Dracula? Des siècles. Ouais, ça doit remonter. La majeure partie d'un millénaire, en fait. Mais ça, vous le saviez déjà, Blade. Alors, si la cible a subi des dégâts... Votre probable allié, le docteur Morbius, je vais me délecter de l'aube pour l'éternité.
Je ne le permettrai pas. Peut-être que Hunter a un petit bonus de propulsion. Ouais. Ok, on peut virer ça déjà de l'équation. Je pensais que vous auriez plus de répondants. Ensuite, on va se défausser de frappe gardienne. J'en ai pas besoin tout de suite. Elle était critique, c'est dommage, mais en me défaussant, je peux faire des dégâts sur celui qui tape Morbius. Et du coup, l'implacable pourrait y passer avec le bonus, vu qu'il a pris des dégâts ce tour. Non, ça suffira pas, donc faut lui éclater un truc sur la tête. Ou pousser un truc. Ok, on a la frappe. J'aurais préféré pouvoir le faire ailleurs, mais bon. On a 3 actions. Je peux aussi mettre sur Dracul. Alors combien? 277. Et là, on mettait à 93. Ouais, une seule, ça suffira pas. Faut en mettre 2. Je m'en charge. Voilà, comme ça, il a porté de kill. Impressionnant. Ouais, c'est un peu gâché à 1 milliard de... Ah, mais ça lui met une marque. J'ai déjà vu ce genre de technique. Donc l'implacable est gratuit. Et on gagne un de résistance en tuant. Les petites se ressemblent tous. Ok, donc là on est bien. Le soin ferait piocher des cartes et mettrait de la résistance. Tout le monde veut attaquer Blade. Pourquoi lui? Ah oui, il est stun. Ou alors je repioche. Là je suis sûr de piocher 2 cartes, mais je perds une action si je le fais. Mais je gagne un de résistance. Ou alors je repioche. Et à ce moment-là je chope une carte. Ouais, mais en faisant ça je peux faire une carte héroïque derrière. Ouais, non, ça vaut le coup, hein. Faire ça sur Blade. La lumière nous guérira. On va équilibrer les résistances, mais il est grand, hein, le bordel. Putain, qu'est-ce qu'il est grand. Ok, petite frappe éclair, c'est gratuit. Allons-y. Ok, on a géré les sbires. Maintenant, faut s'occuper aucun du quota. Ne peut égaler une force pareille. Alors, si la cible souffre de saignement, dégâts augmentés de 133. Si la cible souffre de saignement, dégâts... Souffre pas de saignement, le bordel. On fait résistance après repioche. Ça met surtout une riposte. Ah, mais ça donne. Il a pas de résistance là, Morbius. Ouais, ok, on pourrait lui mettre la résistance et garder les deux combos. Et puis on aurait de quoi les jouer coup après coup. Mais si on a une carte saignement, bah on pourrait la faire avant d'utiliser les deux combos. Comme ça, on lui fera vachement plus mal. De toute façon, je pense pas battre. Dracula avec les combos, hein. Je pense le battre avec le saignement et la combo Blade. Ouais, mais s'il tombe Blade, on aurait ça en backup. Je réfléchis si on peut tuer ça ce tour, mais on peut, hein. Ça a 300 points de vie, on lui met 400 et puis voilà, hein. Alors, on peut faire ça. Comme ça, on boufferait pas notre action pour rien. On n'aurait pas d'acculement, mais... Pas réfléchir. Gâche un combo héroïque sur un sbire, mais en vrai, le fait d'avoir tout nettoyé, ça va quand même bien nous servir. On ne voit pas ça tous les jours. Ok, du coup, je peux repiocher pour quand même avoir un de résistance, y a pas de raison. Et on obtient Dave Walker. Et on va piocher pas mal de cartes. Hunter, tu veux mettre un coup sur la tête de Dracula? Ça fait combien? Ça a l'air de faire mal. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à dépenser mon héroïsme sur juste un coup? On pourra refaire, je pense, de toute façon. Bah là, il est sous le truc, donc c'est peut-être le moment ou jamais. Non, on va garder l'héroïsme. Nos actions... Tonique... saignement. On mettra saignement sur Blade avant Dave Walker. Ça mettra 1 milliard de saignement. On n'a même pas besoin de la combo, faites les saigner. Il aura la potion pour ça. Détermination est sans faille. C'est acharné. Tu ne perds rien pour attendre. Saignement. Ok, donc la première attaque, elle a pas vraiment fonctionné, j'ai l'impression, sur ceux qui avaient du shield. Alors, on n'est pas assez en saignement. Ouais, là on a du saignement. Faites les saigner, bon, évidemment. Vous régnez sur la nuit? Peut-être dans les taudis paumés de Transylvanie. Mais New York est ma ville.
Hop. Plus pour très longtemps. On va le soigner. L'étage prendra fin quand il a commencé. Sur un lever de soleil. Entaille rapide pour me débarrasser des deux du fond. Ouais, deux renforts de sergent, hein, il a eu. Vous n'étiez pas de taille pour ce combat. Ça fait toujours un point d'héroïsme. Ok. Alors, le Daywalker avec la potion, ça serait incroyable parce qu'on a la soif frénétique juste derrière. Donc en gros, si je fais le Daywalker, il me reste plus qu'un point d'énergie. Mais si je fais le fait saigner, j'en gagne 2, ça ferait 6. Ça fait 3 et 3. Je peux faire Daywalker, mettre plein de saignements sur Dracula et le défoncer. Et j'ai même pas besoin d'utiliser la potion, je pense qu'on le one-shot derrière. Mais il faudrait calculer. 50% de chance, 4 attaques. Et il a 10% de chance de provoquer saignement. Donc on va dire qu'il va pas provoquer de saignement avec sa capacité. On dit un 10%, il va rater les 4 fois. Par contre, là, il va en avoir au moins 2. Donc ça fait 2 saignements. Plus 8, ça ferait 10 saignements. Combien feront les saignements? Merde. Bon, peut-être 100, ça ferait 1000. Mais on ferait 1000 plus 350 plus saignement. Plus vol de vie. Le problème, c'est que Blade serait blessé quand même. J'aurais dû garder l'attaque électrique. Bon. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Faites les saigner, des walkers, soit frénétique. Franchement, on peut difficilement faire meilleur combo. Le problème, c'est que derrière, on prend une attaque sur Blade. Ah oui, mais il a du résist. En fait, on peut ignorer l'attaque. On prendrait qu'une attaque sur lui. Et on a encore un peu de shield. Ouais, allez. Oh, ça fouette le sang. Ok, on a le faucheur aussi. Mais qui est corrompu. On part sur un Daywalker, full dégâts. Donc là, normalement, on met 10 saignements si on a bien calculé. Je peux en mettre 18 si je prends la potion de vampirisme. Et on aurait un autre faucheur, donc la potion, on pourrait l'utiliser au tour d'après aussi. Pour le two-shot, mais non, à un moment donné, il faudra nettoyer quand même. Donc on n'est pas pressé, on va y aller comme ça. 2, 3, 4. On va quand même essayer de lui mettre un max. Qui prend le Daywalker en dégâts aussi, hein. 328. Tu n'as pas besoin de 9. Trouver ta valeur, Blade. Fuck. Donc là, on le tue pas de très peu, et là, on le tue. Vous m'avez pas laissé le choix. Ok, ils combattent bien ensemble, les deux. Hein. 1500 points de régénération. Ouais. Du coup, on n'a pas tué les sbires. Y a la petite sbire là qu'on peut tuer si on veut. Hein. Push, je pense. L'autre option, c'est d'utiliser. Ah bah non, on a 0. Blocage après repioche pour pas qu'il meure. J'ai pas envie de défausser le faucheur. Parce qu'en fait, le faucheur, c'est la kill condition pour Dracula. On est d'accord? Mais la kill condition, si on tue Dracula, on a gagné. Ok? Donc le saignement servira à rien. Donc en fait, qu'il soit en saignement, la carte, on s'en fout. Par contre, ce qu'on aurait pu faire, s'il n'y avait pas eu le saignement, c'est attaquer avec et attendre de la repiocher, comme ça on aurait eu le renforcement. Ça aurait pu être utile. La griffe rapide, bah, on peut pas la jouer, c'est vraiment triste. Morbius va prendre une attaque, Blade 1 et Morbius 1. Ouais, donc en gros, Blade va absorber, Morbius va prendre des dégâts. Je pourrais le rendre invisible pour qu'il prenne pas de saignement, comme ça on prend rien. Mais vu qu'on va pas prendre l'attaque de Dracula, je m'en fous. Ah non, mais je peux faire exploser, oui, c'est vrai. Enfin, je peux tuer. Eh ben, tuons. Ouais, mais j'ai déjà fait un push, je crois. Ouais. Non, on a fait le push soin, ok. Donc là, il va prendre qu'une attaque, ça va aller dans la résistance, il sera pas en saignement, donc. Est-ce que je relance ça, alors, du coup? Non, la griffe rapide, bah non, on en aura besoin. La vire-lame, ah, on n'aura pas la rage. Autant faire le combo héroïque. L'hypnose, ok. Blocage après repioche. Je vérifie une dernière fois. Ouais, je crois pas qu'on va avoir besoin. Si, on prendra peut-être la potion qui augmente les dégâts, simplement.
ce qu'on aurait pu faire pour utiliser l'attaque de Blade, mais on se serait mis enseignement, ce qui aurait pas été cool. Vous voyez là, avec de nouveaux renforts, ça pourrait être dangereux hein, à force de laisser passer. Mais non, les renforts sont pipo. Ah non, ils sont pas pipo, ils sont combien? Combien sont-ils? La boucle est bouclée. Quand je pense que mon Elite, salut et ma damnation Elite, Sbire, Sbire, Sbire. Elite, oh là là, ça commence à... C'est la tournelle des vampires qui n'ont pas encore accepté leur extraordinaire don. Tout le monde ne rêve pas de se nourrir d'innocents. Vous ne l'avez jamais compris. Je le comprends parfaitement. Mais je ne me complais pas dans la faiblesse. Griffe sur saignement. Ok, on peut faire mal, mais... Est-ce que je tente? Griffe rapide? Non, on va nettoyer. Sur Hunter, on s'en fout. Oh, il y en a un là-bas aussi. Oh, un, deux... Il y a quatre sergents, hein. Ouais, ouais, si jamais on continue à faire comme ça, on risque de douiller. On va essayer de nettoyer un petit peu ce qui traîne. C'est un sacré coup. Si on remboursait, du coup, on peut faire... on peut contrôler Dracule. S'il attaque des sbires à lui, ça devrait nettoyer assez vite. Lui qui tape fort, hein. Mais du coup, faut tuer le sbire pour pas qu'il attaque un sbire. Comme ça, il pourrait peut-être tuer deux sergents ou un sergent en le tapant deux fois. Donc on vire ça. Ouais, sauf qu'il attaque qu'une fois avec l'hypnose de vampire. C'est l'hypnose de Hunter qui fait taper deux fois. Du coup, j'hésite à la repiocher et simplement mettre une faiblesse sur Dracula. Ça lui mettra un saignement au passage. Ce qui permettrait de faire de la griffe. Non, en fait, il faudrait le faire sur... Ouais, il faudrait faire une écoloque et ensuite une griffe sur un sbire et ça le tuerait. Mais je suis quasiment sûr qu'il peut tuer un de ces sbires. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils font plus de dégâts quand on fait ça. Mais bon, on perd 120 de blocage si je fais ça. Et regardez où il tape. 1, 2, 3, 4 qui tape sur Morbius. On peut rendre Morbius invisible et on s'en fout. Ouais, on peut faire ça. Allez, écoloque. Ah, mais on peut faire les trois, pardon. Attendez, on va commencer par l'hypnose alors. Vous l'aurez vu. Je me souviendrai de vous. Même pas capable de taper ton pote. Ah, il a le saignement, du coup il est super vulnérable maintenant. Parce que on fait plus de dégâts sur saignement. Et en plus ça redevient une attaque gratuite parce qu'il est marqué par lui. C'est cool ça. Est-ce que je gâche la griffe par contre? Non, je crois que c'est l'écho hein. Ce qui m'embête c'est que la griffe crée de la rage, qu'on pourrait faire le combo héroïque derrière sur un autre. Mais en même temps, si je fais l'écho, on est à 2. Ouais, c'est pas bien hein. Autant faire la griffe. Je vous désigne comme... Ça en tue un autre. On n'envoie pas le combo sur lui, on l'envoie sur un de ceux-là. Si possible, le plus intact. Il n'en restera pas la main. Ouais, qu'il nous ait mis plein de sergents, c'est pas mal. Hein. Enfin, ça complexifie un petit peu le combat. Bon, le faucheur, je peux pas l'utiliser à cause du saignement qui est incorporé. Hein. Ce qui est un peu douloureux. Et l'écologue, vous voyez, elle est bien, hein. Elle est très très bien comme carte, mais à chaque fois on va avoir des soucis pour la jouer. Hein. On a plus de rage, on a le faucheur, inflige saignement 2. C'est très tentant quand même de prendre le saignement, d'infliger le saignement et de l'enlever, mais vu qu'on a déjà fait le déplacement de combat, c'est mort. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que je devrais pas faire, c'est la défausser. Ou alors je défausse l'écologue et puis on s'en fout. Bon, allez. Ultime vision. On peut taper même sur lui. Hein. Ouais, de toute façon, faudra les tuer quand même. Faudra les tuer à un moment. En plein dans le mille. Voilà, et on utilise la fiole de l'ombre. Vous me remercierez plus tard. Voilà, et personne n'attaquera. Par contre, les deux autres vont prendre les attaques du méchant. Hein.
Et je pense que Blade va en mourir. Je sais pas pourquoi. On n'a pas de soins. Si Blade tombe, on est mal. Hein. C'est la fin. Un double attaque, donc ouais, s'il rattaque Blade, c'est mort. Non, il attaque un seul. Oh, ok, on a du bon. S'il avait fait ça après avoir mis un taquet, qui avait enlevé le bloc. Vous voyez, Hunter a failli mourir. Donc Blade se serait fait défoncer. Par contre, heureusement qu'il n'y avait pas de petits vivants. Parce que sinon il se serait upgradé en prenant... Ah non, on n'a pas pris de saignement. Profitez bien. Ah, on n'a pas pris de saignement. Tant que vous le pouvez encore. Votre assurance m'inspire, Blade. Blade, c'est il va falloir que... C'est sûrement mon sang dans vos veines qui vous confère un tel aplomb. Prends-en de la graine, Morbius. C'est comme ça qu'on pousse à bout. C'est noté. Ok. Alors, est-ce qu'on peut mettre sur la tête de deux... Ouais, on peut tuer le sbire et mettre sur Dracula un peu. C'est un peu gâché de l'héroïsme. Parce qu'on a le pieu pour régénérer Blade. Et lui, il a l'acculement pour résister à plein de petites attaques. Le problème, c'est qu'il tape trop fort, Dracula. Donc il faut le tuer le plus vite possible, mais on n'a pas du tout les cartes qu'il faut. Hunter est défoncé, il nous faudrait au moins le soin. La forme de brume, on peut toujours mettre Morbius en sécurité. Mais là, il y en a trois qui tapent Blade. Un qui tape Hunter, ouais. Encore des sergents, hein. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va mourir à long terme ? Je peux pousser lui sur un... Ça le tue, là ? Non, ça le tue pas. Je réfléchis, hein. Je regarde les objets, je regarde les angles. Là, on peut pousser sur lui. Ouais, mais ça coûte beaucoup trop d'héroïsme, en fait, tout ça. J'ai envie de mettre ça sur la gueule du vampire. Comme ça, il aurait deux saignements déjà. Et on récupérerait une partie de la vie de Blade. Déjà, ça nous mettrait un peu en sécurité contre sa contre-attaque. Je pense que cette action, elle est pas mal. Mais tout ce qui nous fera piocher les cartes, faudrait le faire mieux en avance. Là, vous voyez, on a un saignement, mais on n'a pas encore utilisé le mouvement de combat. Le problème, c'est que si je l'utilise, c'est pour tuer un truc et avoir une action gratuite. Mais il faut plus qu'être petit. Les gros, s'ils passent en frénésie, on s'en fout. Mais les petits, s'ils passent en gros, on s'en fout pas. Donc on devrait commencer par un truc à la con, genre ça. Pour tuer un des petits. Mais ça va nous coûter 2 points d'héroïsme. Après, ça fait un peu de dégâts. Ah, ça fait un peu de dégâts quand même. Il était temps. Le sang m'offrira une nouvelle jeunesse. Puis c'est un manque de respect total. Hein. Il faut tuer lui, donc on va push-push. Ah, mais si je push-push, j'ai plus le soin. Ouais, je suis pas obligé de la jouer. Hein. Ah, je peux faire guérison. Ah, mais c'est con. Tu fais guérison et tu prends saignement derrière. Sinon, je la joue pas. Ah, mais il y a ça aussi. Bon, ok, on va repiocher ça. Ça nous fait un peu d'armure. Elle est pas bien, Hunter, hein, mine de rien. Daywalker, c'est trop cher. Mais il est bien. Le pieu, bah du coup, on n'a pas pu le jouer à cause de ça. La forme de brume, on jouera pas d'autres cartes si je fais ça. Sinon, je repioche l'acculement. Ah, dans tous les cas, si je joue la forme de brume, je ferai pas l'acculement, hein, donc hop. Frappe éclair, qui est bonne. Oh. Ok, on peut tuer le sbire avec ça. Et faire 2 points d'héroïsme, gratuit. Tenez-vous prêt. Les 2 points qu'on vient de dépenser, donc on peut faire le pieu sur Dracula maintenant. C'est à cause de ce genre de tortue qu'on a une mauvaise réflexion. On a toujours pas dépensé d'action, hein. Allez, le pieu. Bon, on n'a pas totalement rempli notre jauge de vie. Mais un petit level up, ça va aider. 5 points et un peu plus de dégâts. Ok, donc Dracula va saigner un petit peu, c'est pas plus mal. Le problème, c'est que si je fais la forme brumeuse, il y a encore plus de chances que ce soit lui qui prenne le taquet. Vous voyez, 400, lui, il a 600 points de vie. Mais le problème, c'est qu'il y a combien qui tape? Ah non, tout le monde tape Blade. C'est Blade qu'il faut rendre invisible, en vrai. Si je prends le saignement, on a le déplacement. On va
Ok, Hunter. Oh là là, on n'a pas assez de rage. La forme brumeuse, bah c'est maintenant. 2 points. Ensuite, je fais ça, c'est gratuit. Mais faut tuer, hein. Ah, on ne tue pas. Mais si je fais ça, je peux utiliser le décor et les affaiblir. Donc, je pense qu'on pourrait tuer. J'ai mal au cœur, mais bon. On va faire ça. Et on va utiliser le décor pour affaiblir quelqu'un. Oh. Si je fais ça... Ah oui, mais je peux pas faire un déplacement non de combat. Hein. Alors, attendez, je peux utiliser ça. Et là, je fais avec l'étincelle. Oui. Oui. Sauf que j'aurais pu le Daywalker, du coup. Parce que si je fais l'étincelle tout de suite, j'ai un saignement. Oui, mais si je tue pas, c'est pas gratuit. Ah, merde. Donc, faudrait que j'utilise la potion sur Hunter, parce que ça va mettre un saignement et une vulnérabilité. Mais on va virer la vulnérabilité. Et au pire, on aura peut-être pas le saignement et peut-être pas la vulnérabilité, parce qu'elle résiste pas mal, hein. Allez, on va utiliser la potion, comme ça il n'y a pas de doute. On a résisté, on a le renfort. Cela me sera d'une grande aide. Ok, donc là on peut tuer. Et on va devenir invisible. Et là, c'est sûr que c'est Blade qui prend les deux attaques. Ah bah merde. Quel échec. Et oui, oui, c'est un full échec là. C'est un full échec parce que si elle devient invisible... Vous avez compris que c'est pas bon. C'est pas bon, si tout le monde est invisible et qu'il y a Blade qui se retrouve tout seul comme un con, il va se faire démonter. Il va en vouloir à tout le monde en plus. Tout le monde prend un level. Ok, et on a le Daywalker. Ok. Donc Blade, il va prendre un dans le résist, un dans la gueule et deux attaques dans la gueule. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on a fait? Non, il faut qu'on utilise... Ouais, mais si je fais le Daywalker... En fait, vous voyez, pour qu'on gagne cette bataille, on risque de perdre Blade. Mais on pourrait boire la potion sur Blade, de vampirisme. Tout balancer dans la gueule de lui, comme ça il aura 10 points de... Il aura 4 fois de... Ouais, 10 points de saignement supplémentaire. Et il nous suffirait de tomber sur la carte de Morbius pour le manger. Et on aurait gagné. L'autre option... C'est d'essayer de s'acharner sur un des types pour le tuer. Ou alors... Bah on peut même pas recycler. Je pourrais aussi utiliser le décor, on a 3 points. Mais on ferait plus le Daywalker, on ferait le faucheur. Alors si j'avais 2 actions, on pourrait faire la combo là. Hein. On balance tout et on le tue derrière. Vous voyez, ça va pas le faire. Eh, c'est con, hein. Ça se joue pas à grand chose. Parce que là, on lui met combien avec celle-là? Ouais, pas assez. Là on lui met plein de trucs, mais sans la potion c'est moins sexy. Putain, c'est con qu'on ait utilisé la potion au début pour Morbius quand même. Là ça serait la parfaite pour que tout le monde soit invisible et qu'on gagne un tour. Je crois qu'on n'a pas le choix de toute façon là, hein. On va pas réfléchir 107 ans. Vu qu'on peut pas... Si, on peut se déplacer. On a un déplacement de soins. Alors, j'ai pas besoin de faire le déplacement de soins sur Hunter du coup. Parce qu'elle est enseignement, mais elle va survivre, non? Je sais même pas si elle survit du saignement, là. Et si jamais on n'a pas besoin de son saignement, ça veut dire qu'on peut se déplacer pour faire un truc, ou on peut push-push. Ce que je peux faire aussi pour sauver Blade, c'est pousser sur quelqu'un qui pourrait encaisser, sur Morbius, par exemple. Pousser Dracul sur Morbius, ça nous ferait aussi piocher une carte. Et peut-être qu'on aurait une autre carte pour sauver Blade, genre le soin, ou... Parce que le soin, ça donnerait un résist et le reste de ses points de vie et il survivrait aux deux attaques. C'est vraiment beaucoup plus risqué, hein. Mais on met Morbius en danger, mais il a pas d'autre attaque. Ah merde. Je peux pas atteindre Morbius. Ah, j'y crois pas. On avait un plan, mais ça ne marchera pas. Alors, on peut aussi faire le troisième technique. C'est utiliser Hunter pour pousser lui sur Blade. Ça ferait piocher une carte dans tous les cas. Et on aurait une cible supplémentaire. Mais le problème, c'est qu'Hunter va mourir si une attaque de Blade. Non, non, non. On peut utiliser Morbius pour réapparaître et pousser lui sur Blade. Oui, à la limite, on pourrait faire ça. Comme ça, Morbius réapparaît. Ok, admettons qu'on fasse ça. Est-ce que ça sauve Blade pour autant ?
Pas sûr, hein. Mais ça peut pas faire de mal à Morbius parce qu'il prend pas d'attaque hormis Dracula. Et s'il prend une attaque de Dracula, Blade peut survivre, hein, je pense. Ouais, on va essayer. On va tenter de. Avec un peu de bol, ça passe. Et si on n'a pas de bol, au pire, bah, c'est un peu plus de blessures sur Morbius. On chope une frappe, mais merde. Pourquoi il me donne des cartes de Blade sans arrêt là? Bon, bah là, c'est saignement x 50% x 3, alors que là, c'est saignement x. Ouais, 50% x. x 4. Ah, dommage. C'est dommage de ne pas avoir pioché le soin là, ça aurait été vraiment parfait. Alors, on peut lui mettre un taquet. On peut vraiment le descendre, hein. Ça fait combien? Ouais, mais il va régénérer sur Blade si jamais je mets Faucheur. Non, je crois qu'il faut balancer le Daywalker avec la potion et puis on n'en parle plus, ou alors. Ouais. Allez, on l'a amené, c'est pas pour qu'elle fasse de la figure. Donc j'aurais pas dû cacher Morbius. Ouais, mais j'ai tenté, hein, j'ai tenté. On va faire ça, mais ça va bouffer toutes mes trucs. Est-ce que je lui mets pas du saignement en moins, mais parce qu'il a déjà pris quasiment un tiers de sa barre de vie. Hein. Je vais mettre celle-là seulement. Comme ça, on garde les 4 points d'héroïsme pour un autre perso. Putain, mais si on avait une rapide, là, vous vous rendez compte quand même qu'une rapide, et puis on le tuait. Hein. Parce qu'on mettait du... Enfin, un truc rapide multiple, par exemple, si ça c'était rapide, on tapait là une fois, deux fois là, et après on faisait le faucheur. Bon, allez, tant pis. Est-ce que je répartis 1, 2, 3. Non, hein, tout sur lui. Oui, parce qu'on n'aura plus l'occasion de mettre du saignement ensuite. Regardez bien. Vous auriez dû redoubler d'efforts. Voilà, et là on a 4 d'héroïsme. Il a 10 de saignement, c'est largement suffisant si on chope la carte. Oui, ok. Après, il y a une petite chance qu'il survive quand même, hein. Ah merde, Hunter est tombé. Oh, quel bourrique. Vous l'aurez voulu. Je pensais pas que ça allait durer. J'aurais dû regarder. Il y avait le chiffre, hein. Ok. C'est des traces. Saignement. Du coup, il peut régénérer en mangeant et ça fait de la frénésie. Mais c'est bien la frénésie, vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont pas attaquer Blade. Dans les bras. Il y en a qu'un qui va attaquer Blade et il va l'absorber. Du coup, Blade, maintenant, on peut balancer son attaque et défoncer Dracul. Ouais, on a gagné. On a gagné, mais c'est bête parce qu'on a perdu Hunter, alors que c'est la seule qu'on n'avait pas du tout imaginé qu'elle allait mourir. Je suis certain que mes enfants le sentent eux aussi. La froide étreinte de la mort est la seule chose qu'ils sentiront. Tous mes efforts... Il y a deux frénétiques, hein, donc je peux jouer qu'une carte et avant d'achever le vilain. Mais la carte, ça peut être un Daywalker. Qui ne tuera personne. Magnifique. Ça peut être une soif frénétique. Qui mange un truc. Que s'ils sont blessés. Mais on a une griffe rapide, mais... Mais il n'y a pas de sbire. Une écologue, mais qui fait pas assez de dégâts parce que personne ne saigne. Non, bah je crois qu'on s'embête pas. Hein. Je vais quand même jouer une carte histoire de faire des XP. Bah pourquoi pas le Daywalker? Attendez, on fait 60 x 4, 240. Ouais, personne n'est à portée. On pourrait mettre sur lui et rajouter du saignement. Mais ça changera rien, il est déjà mort. Hein. Ouais, le faucheur ne demande pas d'héroïsme. Allez, juste pour créer un peu d'XP à Blade. C'est terminé. Alors, est-ce que j'aurais pu vous avez la langue bien pendue. Soigner Hunter? Bien sûr, je pouvais utiliser Hunter qui était furtive pour se soigner elle-même. C'est la seule qui peut se targeter toute seule. Parce que les autres pouvaient pas la targeter vu qu'elle était invisible, mais elle pouvait le faire. Donc j'aurais pu la soigner, mais si je l'avais soignée, j'aurais pas pu pousser... sur Blade, mais vu qu'on n'a pas pioché la carte qu'on voulait, finalement j'aurais pu ne pas utiliser le push, soigner Hunter, ils auraient survécu quand même, vu qu'ils ont survécu, et on, parce que quand il a mis le premier saignement, il a mis les deux en frénésie, donc ils auraient survécu quoi qu'il arrive, hein. À moins qu'ils s'acharnent deux fois sur Blade, et du coup on aurait tout le monde debout là,
juste parce que j'ai pas fait le plan initial, c'est-à-dire soigner Hunter comme j'avais prévu de le faire. En fait, le seul moyen pour que ça n'arrive plus, c'est juste de vérifier les dégâts du saignement, quoi. Là, par exemple, Blade, on voit que ça fait perdre 227 points de vie. Vous voyez, on sait qu'il survit parce qu'il a 260. Mais la prochaine fois, on regardera sur Hunter. Je pensais pas que ça faisait autant. C'est vrai que je me suis fait sur une mauvaise appréciation. Alors là, évidemment, faut surtout pas faire une autre carte, même si on a deux actions, hein. Parce que sinon on meurt. Je m'en occupe. Et j'espère qu'il va pas nous demander d'achever. On aura renforcement au pire. Allez voir ailleurs si j'y suis. Non, c'est bon. Bah ouais, on aurait pu avoir les trois debout là en gros, c'est ça que ça veut dire. Enfants égarés. Vous n'êtes que déception, trahison, faire couler le sang des vôtres. On est toujours trahi par les siens. Rejoignez-nous. Je ne me répéterai pas. Ouais, mais pas pour la raison que vous croyez. Ah, il marche pas le truc. Ouais. Ok, mais ça fait quand même un petit peu, hein. C'est pas mal déjà. Je vais faire attention de pas rester dehors. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dilué mon échantillon pour produire ce sérum. Certes, il vous protège du soleil, mais l'utilisation de vos pouvoirs a tout consumé. Vous êtes quasiment à sec. Et lorsque le sérum sera dissipé, vous mourrez. Oh, ce n'est pas fini. Pour l'instant, si. À moins que vous désiriez vous promener au grand air. Retour dans les égouts. Mais triche les vampires dans Mord... Es-tu déçu qu'il nous ait filé entre les doigts? Non. Dans Marvel. Il revient toujours. Mais le voir se faire humilier ainsi, rien que pour ça, ça vaut le coup de te connaître. Ok, bon, ça s'est bien passé quand même. On aurait pu éviter la perte d'Hunter, mais dans l'ensemble, ce qui est un tout petit peu inquiétant, hein, c'est qu'on a une méta-combo pour tuer Dracula. Mais comment on le tue quand on n'a pas Blade ? Ou Morbius, admettons. Imaginons qu'un jour on le rencontre sur une rencontre... Vous voyez ? Ça serait terrifiant, hein. Ça serait terrifiant, parce que sans lui, après, le Hulk pourrait le gérer. Je pense sans trop de problèmes, parce qu'il le stunnerait un coup sur deux. Enfin, même tous les tours, il le stunnerait. Mais voilà, quoi. Ouais, si jamais on a vraiment du gros dégât, on pourrait. Mais ça reste... Ça reste quand même pas incroyable, hein. Donc là, ça doit être la fin du DLC de Morbius. C'était rapide, à croire qu'ils n'ont même pas essayé. Félicitations, Hunter. Les vampires de Dracula ont essuyé de lourdes pertes aujourd'hui. Tout le mérite vous revient. Oui, tous ceux qui sont allés dehors, qui croyaient que ça marchait. Vous avez fait du beau travail aujourd'hui. J'imagine. Le sérum solaire est tellement dilué qu'il ne représente plus un danger. Et nous avons envoyé les vampires d'où ils venaient. Je ne sais pas comment exprimer mon soulagement, Hunter. Si tu n'avais pas été là pour m'aider, j'ignore comment j'aurais survécu. Nos épreuves ne sont pas terminées, le sentiment est mutuel. Vous avez le diable au corps. J'apprécie votre reconnaissance, mais vous aider à gérer vos émotions a été un véritable défi. Je ne veux plus jamais vous voir dans cet état. Je sais que mon comportement a mis une pression inutile sur l'équipe. Hunter,
Sache que je reste dévoué à la mission des Midnight Suns. Ah, donc il va rester avec nous quand même, hein. Heureusement. Votre aide nous sera très précieuse. Fantastique. Avant de nous quitter, nous devons régler la question du sérum solaire. Nous ? Oui, ton avis compte beaucoup pour moi. Mon prototype d'échantillon a été détruit, mais je possède encore mes notes de recherche. Je pourrais continuer mes expériences dans l'espoir de me soigner ou de soigner les autres. Mais il y aura toujours un risque que mon sérum tombe entre de mauvaises mains. Détruisez-les. Ah, il pourrait rester comme ça, hein. Continuez vos recherches. Mettez-les en lieu sûr. Il n'est pas obligé de les continuer maintenant. Ouais. Vous n'avez pas les idées claires en ce moment. Mettez vos notes en lieu sûr jusqu'à ce que vous ayez le temps de réfléchir à la meilleure marche à suivre. Je n'avais pas pensé à cette solution, mais ce n'est pas idiot. Je ne sais pas quand je serai en état de prendre une telle décision, mais j'attends ce jour avec impatience. Merci pour ton aide, Hunter. Alors, rejoindre un point de rendez-vous, bah, ça nous ferait le niveau d'amitié. Oh, est-ce qu'on a un truc pour les vampires dans les cadeaux? C'est peut-être un peu overkill, hein, d'ailleurs. Boîte à provisions, anthologie fanfiction sur Iron Man, New Mutant, alors c'est lequel? Est-ce que ça serait pas New Mutant sur... sur Dracul, hein? Les débuts mouvementés de Deadpool. Ah non, ça, personne n'aimera ça. Hein. Madripour en image. The Amazing. Non, à moins qu'il soit vraiment fan. Oh, boîte à provision. Bougie ossement. Ah, ça pourrait peut-être passer, bougie ossement. Ouais, mais je pense qu'on a d'autres gens qui ont plus besoin du point de rendez-vous. Regardez ce qui d'autre. Je suis peut-être idéaliste, mais la lumière triomphe. Nico, c'est pas mal. Blade, c'est pas mal. Dracula a peut-être perdu une bataille, mais il n'est pas vaincu. Ce n'est pas pour. Fanfiction sur Miss Marvel. Plusieurs siècles. Tu avais raison, Blade. Morbus a été d'une aide précieuse aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru qu'il aurait le courage d'affronter Dracula. Alors, vous avez enterré la hache de guerre ? On ne deviendra jamais amis. Mais j'apprécie son expérience sur le terrain. On dirait que tu commences à éprouver une forme de respect pour le vampire vivant. C'est vrai, mais ne lui répète pas. C'est le premier pas vers l'amitié, tu sais. Lâche l'affaire, Hunter. Allez, on va prendre Blade. Alors, méditer, s'entraîner, jouer aux jeux vidéo. Ah, je sais pas, s'entraîner peut-être. Oh, méditer, c'est... Ouais, c'est un zen, hein, c'est un bushido. Ouais, s'entraîner peut-être plus, mais en fait, vu que c'est un vampire, il peut pas faire de muscles. Il peut faire des muscles. Ouais, il peut, hein, apparemment. C'est un demi-vampire. Non, on va quand même aller faire de la méditation. Ah, il va pas du tout aimer, ça se trouve. Mais vu qu'il est plutôt calme, je pense que si, hein. Jouer aux jeux vidéo, moins, tout de suite. Ouais, s'entraîner, ça pourrait être pas mal aussi. Bah, s'entraîner, vu qu'il s'occupe de l'entraînement des troupes. Ouais, allez. Puis, moi aussi, j'aimerais bien aller entraîner Hunter. Ça a l'air sympa. Je voulais te demander, quand t'as ouvert les yeux et que t'as vu un demi-vampire dans l'abbaye, ton premier instinct, ça a été... Oui, c'est un réflexe. Les vampires ont toujours été mes ennemis. Ça m'a... Heureusement que j'ai un charme naturel. Si jamais je devenais un danger pour vous autres ou pour le monde en général, je veux dire, la tête. Si je me contrôle plus, tu m'arrêteras? Tu seras capable de faire le nécessaire? Je ne sais pas si je pourrais m'y résoudre. Bah, ça prouve que t'es ami, mais en même temps, qu'est-ce que tu attends de moi? Je te le promets. Si tu deviens une menace pour toi-même et les autres, je te traiterai comme n'importe quel vampire. Parfait. Je sais pas ce que fait Lilith à ses déchus, mais pas question de rejoindre leur rang. Si jamais tu te poses la question, c'est ça que je veux. Je comprends. Ok, très bien. Alors, on va lui donner le truc sur Captain Marvel. Iron Man, ah non, c'est pas Marvel ? Ah merde, je me suis bourré.
On n'en avait pas vu un sur biographie non autorisée de Captain Marvel, c'est ça que je voulais, moi. Attendez, anthologie 1, boîte à provisions. Sinon, bougie ossement, ça peut passer, mais je pense que sur Miss Marvel, ça sera plus rigolo. Plus 8, il a aimé le cadeau. 17 points d'amitié, c'est pas mal. Il a aimé l'activité aussi. Donc c'était bien ça, entraînement. Donc il est un compliment du level aussi, comme Morbius. Il semble que nous pouvons enfin mettre cette histoire de sérum derrière nous. Tant mieux. Nous avons un problème plus important à régler. Hunter, je tenais à vous remercier pour votre bienveillance envers Morbius. J'ai fait ce qui me semblait juste, c'est tout. J'allais dire que vous êtes sage pour votre âge, mais vous avez plus d'années que la plupart d'entre nous réunis. C'est peut-être ce qui vous rend si perspicace. Et je n'ai pas une ride. En effet, je suis simplement ravi que Morbius ait trouvé une certaine tranquillité d'esprit. Je sais à quel point ce n'est pas chose facile. Et tout ça, c'est grâce à vous, Hunter. Ok. C'est pas mal. Je ne sais pas si j'aurais pu inverser les effets du sérum solaire avec mes pouvoirs magiques. Donc ouais, en fait, on a Dracula qui a fait plein de trucs, hein. Un, il a essayé de créer des tonnes d'émalisques pour avoir une armée de fous furieux. Deux, il a essayé de les rendre immunisés au soleil. Trois, il a essayé de trouver une statue ancestrale qui donnait l'immunité aux vampires au soleil aussi. Donc il a fait non seulement, il a fait deux trucs hein, pour essayer de les ramener. Le sérum, c'était un plan parmi deux plans pour les rendre insensibles au soleil. Hein. Le deuxième, c'était... Ça a l'air bien. C'était justement la statuette du Magna Corrigo. Donc au final, chaque histoire va quand même dans le plan global qu'il prépare quelque chose. Hein. Il prépare quelque chose à grande échelle. Et je pense qu'avec la dernière de Storm, on va avoir l'aboutissement de ce qu'il prépare ou... peut-être un combat final, donc il va falloir qu'on soit prêt. Hein. Par contre, ce qui m'embête, c'est que si on n'a pas Blade et qu'on a Storm, oh, ça risque d'être compliqué. Ouais, quoique elle stun. Ouais, on verra. Parce que Blade fait pas partie des DLC, donc j'ai peur qu'ils nous mettent, vous voyez, un peu tout, et que ça soit Morbius qui doit faire la combo avec son achevé contre saignement. Mais sans Blade, on mettra jamais assez de saignement, à moins qu'on prenne une carte saignement, comme on a fait là. Mais voilà, ouais, il va falloir qu'on y réfléchisse. En tout cas, on va aller dormir, parce que je pense qu'il n'y a rien à faire. Il y a peut-être des plantes à aller chercher. Je me souviens plus quand est-ce qu'on a fait ça la dernière fois. J'ai tendance à le skip le plus souvent possible. on va regarder le chaudron, tiens, ça nous donnera... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, merde, j'ai passé par habitude. Ok, elle nous parlait du truc solaire. Alors, il n'a plus aucun effet, comme vous avez pu le constater. Son plan de génie est un véritable fiasco. Dracula ne voudra plus l'utiliser. Il faudrait quand même en parler à Morbius. La moindre goutte de sérum représente une menace. Non, oui, il en est chiffre. Morbius a humilié Dracula. Le seigneur des ténèbres va se débarrasser du sérum. Vous avez sûrement raison. On rigole pas avec le soleil. Surtout quand on est un vampire. Balum. Pardon? Non, je... Oh, laissez tomber. Le central traque la moindre mention du sérum solaire. À moins qu'il ne trouve quelque chose, notre mission est terminée. Vous aviez d'autres questions? Okay. Dommage que j'ai raté le texte. J'aurais bien aimé savoir ce qu'elle a dit, mais bon, c'est pas grave. Ça a l'air plutôt basique. En gros, il restait un peu de sérum et tout ça. Mais on a botté le cul à Dracula, donc c'est bien. Alors, amulette chaîne fer, amulette des... Non, fiole des ombres. Alors, la fiole des ombres, ça demande quand même les 15. C'est aussi le 5, le 50 technique majeur. Hein. Ou le 50 héroïque majeur. Le technique, ça demande quoi? Belladone, polypore. Ouais, autant prendre du technique, hein, on a 0. Héroïque mineur, ça coûte pas si cher l'héroïque mineur. C'est vraiment la conite. Et les pleurotres, essence technique mineure. Ça c'est chiant pour la conite. Et attaque mineure. C'est chiant pour le pleurotre. Mais là, c'est celui-là le plus équilibré, je dirais. Ouais, il va falloir qu'on aille chercher les plantes. Bon, bah, on va stopper là. Et puis, je reprendrai après ma cueillette. Et on ira dormir et tout ça.
Merci d'avoir suivi et à bientôt.